on avait tous l'habitude de concevoir sur un mode successif, c'est-à-dire que les architectes commencent à concevoir les projets, établissent des plans, puis transmettent ces plans à leurs partenaires qui, à leur tour, engagent leurs réflexions et eux-mêmes les transmettent. Et au bout de la chaîne se situe l'entreprise qui, à son tour, réinterprète les codes et les décisions qui sont prises pour être capable de les construire. Ça, c'était la méthode classique de conception sur le mode successif. Avec les bâtiments performants, on déplace la question et il faut qu'on s'astreigne à concevoir sur le mode simultané. C'est-à-dire que les décisions de tout le monde agissent sur la définition du projet au même moment. C'est à ce prix et uniquement à ce prix qu'on est capable de tenir les objectifs de performance que l'on assigne au projet. Bonne Énergie est un bâtiment qui est issu d'un concours lancé par la ville de Grenoble en 2007 pour la réalisation d'un bâtiment démonstrateur de performance énergétique très élevée. C'est assez simple, on a quelques idées de base qui sont, un, la compacité, c'est-à-dire proposer un rapport entre la surface de plancher et le développé de façade qui soit optimum. Une autre des dimensions aujourd'hui classiques est l'isolation par l'extérieur. L'isolation par l'extérieur, c'est d'abord la chasse au pont thermique, puis une isolation très performante, répartie sur l'ensemble de la surface des façades. Puis on est capable de coupler ces dispositions constructives avec quelques éléments techniques particuliers qui sont par exemple le chauffage tout air par un système double flux qui fait du coup l'impasse sur tous les systèmes de chauffage classiques qu'on a connus tels que les radiateurs, les ventilo-convecteurs. Et puis des dispositifs particuliers. En partant de l'extérieur, donc des brise-soleil à lame orientable qui permettent de réguler les apports gratuits et la luminosité. On a également donc une fenêtre dont la performance première est celle d'être très bien isolante. C'est ici une fenêtre à triple vitrage. Et puis le dernier dispositif qui est maintenant à l'intérieur, qui est le bouchon thermique, qui permet, lorsqu'il se rabat devant le vitrage de la fenêtre, de redonner à ce point faible de la façade, qu'est la fenêtre, même si elle est très performante, qui permet de lui redonner la même qualité d'isolation thermique que le mur lui-même. Alors, il y a un autre facteur très important dans l'économie d'énergie, c'est celui de la relation entre l'éclairage naturel et l'éclairage artificiel. L'éclairage artificiel peut représenter dans un bâtiment performant comme Bonne Énergie plus de 35% des dépenses d'énergie. C'est considérable. Ici, on est sur un principe de luminaire à détection de présence et à intensité lumineuse réglable. En faisant l'assemblage de dispositions techniques classiques et d'innovations particulières liées à la situation et au sujet, on se rapproche d'un optimum à la fois sur la consommation énergétique et puis sur l'innovation qui doit aussi accompagner les évolutions que nous propose le développement durable aujourd'hui. C'est vrai qu'on est sur un bâtiment à énergie positive. Être à énergie positive, ça veut dire deux choses. La première et la plus importante, c'est d'être économe. Après, être positif, c'est avoir la capacité de produire l'électricité dont on a besoin avec un système renouvelable qui, ici, est une centrale photovoltaïque qui est posée, qui constitue une pergola au-dessus de la terrasse sommitale du bâtiment. Donc, le bâtiment représente ici 1800 m² de surface de plancher et on dispose de 430 m² de centrale photovoltaïque pour produire l'électricité qui va équilibrer le bilan entre les dépenses et les recettes. Cette centrale photovoltaïque, elle constitue en plus ici une valeur d'usage très intéressante puisqu'elle met à l'abri des rayons du soleil d'été toute la terrasse que nous partageons tous dans ce bâtiment.
Donc, être positif, je le répète, c'est un, être économe, et deux, avoir la capacité de compenser l'électricité dépensée par une électricité propre, produite par le bâtiment lui-même. Une des dimensions intéressantes du développement durable et de la performance énergétique, c'est aussi d'être capable de simplifier les dispositions et les dispositifs techniques qui amènent à la performance. Je veux dire par là que si nos bâtiments performants se transforment en usines à gaz, je pense qu'on loupe évidemment un créneau important qui est celui de l'usage et de la simplicité de l'usage. C'est-à-dire que si la performance équivaut à la contrainte, je pense qu'on fait fausse route. La recherche de la cohérence et de la synthèse, c'est vraiment la dimension d'avenir que nous propose le développement durable en choisissant ses objectifs. Ici, sur Bonne Énergie, on a essayé de choisir nos objectifs, de les mener à terme et de ne pas être sur une recherche tous azimuts qui nous aurait sans doute amené à des résultats beaucoup plus discutables sur l'ensemble du panel abordé. Ici, on s'est donné comme objectif d'atteindre une performance énergétique importante et on a sélectionné les moyens d'y arriver.